Et bien salut tout le monde, c'est Vicky, c'est bienvenue aujourd'hui les gars pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater dans le titre, on se retrouve pour le 5ème épisode. Alors c'est une petite intro un petit peu longue dans le sens où je vais vous expliquer quelque chose de très important, une très bonne nouvelle pour vous. Je vais tout simplement lancer une toute nouvelle série, un peu dans ce style que je note vos box fights. Je vais tout simplement lancer, je note vos highlights. Alors je pense que vous savez un peu ce que c'est un highlight. C'est tout simplement les moments forts que vous pouvez faire, les meilleurs clips que vous pouvez faire. Par exemple en compétition, en créatif, lors de box fights, de build fights, etc. Enfin bref. Si jamais vous savez pas trop ce que c'est un highlight, n'hésitez pas à aller voir tous les highlights que j'ai pu réaliser sur ma chaîne YouTube pour vous prendre un petit exemple. Je vous mets toutes les conditions à respecter en description, comme j'ai pu le faire avec Je note vos box fights. En tout cas, on perd pas plus de temps, on est parti pour Je note vos box fights. Let's go. Ok, donc du coup les gars, on est parti avec Zesco, premier joueur qui est un joueur clavier souris PS4 je crois. C'est parti. Bon, le petit escalier Edit là, juste à droite, je sais pas à quoi il a servi. Mais sinon, à côté de ça, c'est très propre. Alors, ça se trouve, il est pas PS4, je me trompe peut-être. Mais vu qu'il a les 60 FPS en haut à droite. Et je crois que ses graphismes sont en ultra, donc à mon avis, ouais, il est PS4. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être. Mais sinon, à côté de ça, ça va pour le moment, c'est cool. Il est technique. Il est technique, il est assez rapide, ça va. Il y a plus rapide, mais il est déjà assez rapide, enfin c'est cool. Pour ce qui est des techniques, bah il les maîtrise. Il a l'air de les connaître aussi. Ok, propre. Non, c'est clean pour le moment. Ok, le petit brain là, comme ça. Pas mal. Ok, il est traversé. Oh, le petit moins 200, le petit flick shot très beau. Ok, donc déjà, je trouve que ça commence plutôt bien avec un très bon joueur. Je crois qu'il est PS4 du coup. Du coup, très propre, franchement. Très bon joueur. Alors, je ne pense pas que tu auras le 10 sur 10. Enfin, je pense pas te mettre un 10 sur 10. Mais pour ce que j'ai vu, en tout cas, je te mets à bon 8,5 sur 10. GG à toi. Et les petits points qui pourraient te faire step up, clairement, c'est... je pense qu'il faudrait que tu passes sur PC. Parce que du coup tu aurais plus de FPS, tu pourrais améliorer du coup ta fluidité, tes edits, peut-être faire un petit peu plus de technique au niveau de la pyramide, tu sais, l'edit cone, mettre pyramide, balle de pompe, ça peut aussi très bien marcher, jouer encore plus sur les brains, enfin bref, déjà de ce que j'ai vu là c'était très propre, mais sinon voilà, peut-être passer sur PC, ça te fera clairement step up, on va pas se le cacher, ça va te faire évoluer de ouf, car là pour le moment pour du 60 FPS et sur PS4 je crois, c'est déjà très propre. Ok, donc du coup les gars, on est parti avec Kaza qui nous dit Road to 10 sur 10. On va voir ce qu'il va nous proposer. C'est parti, c'est un joueur clavier souris. Ok, quelques petites edits fail, mais sinon ça va. À côté de ça, il a su se rattraper. Le petit mur derrière pour se bloquer. Ok. Petit edit, le petit moins 200 derrière qui passe, le shoot qui suit, c'est bien. Ah dommage, c'est pas de sa faute en soi. Parce que genre en gros, il était, c'était un escalier jaune, donc du coup il a pas pu edit et c'est pas forcément de sa faute qu'il ait fait cet edit. Non, à côté de ça, il... ok, ça va être technique. Oh attention, shoot là, bon ça va, c'est qu'une balle loupée, hein. On va pas trop se plaindre. C'était propre. J'avoue qu'il est pas mauvais. Hop. A mon avis là il va... Ok non. Là ça va être compliqué là. Bon ça va. Il a su anticiper la double edit de son adversaire. Bon en même temps c'était un petit peu vu à... Très loin qu'il allait double edit comme ça. Propre. Très propre. Le petit accroupi debout là pour mettre le petit 190. Très propre. Nice, il y a le shoot qui suit derrière avec la petite petite mongral. Très propre. Il passe par en dessous, il anticipe le fait de la double edit. Et ensuite il termine avec une petite edit triangle. Très propre. Pour ce joueur là clairement, de ce que j'ai vu, il a été très bon. Personnellement je vois pas trop qu'est-ce qu'il pourrait améliorer. Peut-être être un petit peu plus fluide, un petit peu plus rapide. Même si déjà ce qu'il fait c'est très bien. Ouais on va dire... le nombre de fails, il s'est fait un tout petit peu sur ses edits, sauf une fois où c'était pas de sa faute. Mais il s'est fait un tout petit peu, donc du coup, je te mettrai 9,5 sur 10. GG à toi, frérot.
Alors je répète, hein, très important, je note pas en fonction, par exemple, il y a beaucoup de joueurs pro ou même en fonction de moi-même aussi. C'est-à-dire que si je devrais me comparer à eux, je pense que leur note serait peut-être un peu plus faible. Pas que je me vante, entre guillemets, d'être plus fort ou autre. C'est juste que même pour d'autres joueurs, hein, des joueurs comme Nate, etc., si je devais les comparer à eux, vous allez comprendre que forcément, leur note serait plus faible. On va pas se le cacher. Et aussi, je prends en compte comme quoi vous n'êtes pas forcément joueur pro. Votre travail, c'est pas forcément de jouer à Fortnite et d'être le meilleur joueur. Je prends tout simplement en compte comme quoi vous êtes un joueur normal qui joue de temps en temps et qui fait du boxside pour s'amuser. Et je juge en fonction de ça votre note. Et donc du coup, on est parti avec Ketchup qui nous dit « C'est mon boxfight ». Voilà, c'est parti. On va voir ce qu'il peut nous proposer. Ok, le petit 1v2 probe. Bon, après, son mate était low. Ok. Nice, la petite triple Eddy. Dommage, le shoot qui suit pas. Il y a plusieurs balles qui sont pas passées juste avant. Oh, sinon, à côté de ça, les techniques qu'il connaît. Le petit escalier qui passe. Il a voulu anticiper le fait qu'il allait bouger. Il sait que c'est son sol. Non, c'était pas son sol. Ok. Propre. Ok, nice. Par contre, fais gaffe à toi. Si jamais tu vois qu'il est... Ça sert à rien de vouloir faire une mongrale si jamais il est collé au mur. Ok, par contre, son mate... Enfin, son adversaire en face, il a bien joué. Il a fait un petit pré-shot très propre. Ok, nice. Et bah écoute, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'était vachement cool. Alors, les seuls petits points qui font que tu vas pas avoir 10 sur 10, c'est manque de fluidité. Quelques petits fails parfois. Tu peux être plus rapide sur tes edits et le shoot aussi. Donc pour ça, je te mets à bon 8 sur 10, frérot. GG à toi. Ok, donc du coup, les gars, on est parti avec Knight qui est un joueur PS4 manette. C'est parti. On va voir ce qu'il nous propose. Let's go. Alors hop, petite mongrale enchaînée d'un escalier. Dommage que l'edit soit pas fluide derrière et soit fail en gros derrière. C'est dommage. Aïe, le shoot aussi, pas présent. Bon, allez, on va dire que c'est une balle. Hein. On dit rien pour une balle. Ok, ça va. Il a su s'en sortir juste après. Ok, propre. Il a su se rattraper après. Ok, nice. Je trouve que c'était bien exécuté. C'était pas super rapide, mais c'était bien exécuté. C'était propre. Sa petite, edit wall plus escalier. Ok, donc du coup, vachement cool. Rien à dire, il a su se rattraper. Au début, c'était pas fou, je me suis dit que c'était pas forcément un gros joueur. Mais sinon, il a su se rattraper. Ok, bah GG à toi en tout cas. Pour ce que j'ai vu, je te mets à bon 7,5 sur 10. Je pense que tu peux être meilleur, frérot. Au niveau de ta rapidité, au niveau de tes edits, j'ai vu des joueurs manettes beaucoup plus rapides que ça. Et essayer d'être un peu plus polyvalent au niveau de tes techniques et aussi d'améliorer un peu ton shoot. Je pense que tu pourrais être bien meilleur au niveau du shoot. Ok, donc du coup les gars, on est parti avec Nalt qui est un joueur Xbox je crois. Hop, on baisse le son directement. Ok, petite technique comme ça bien exécutée. Le petit escalier en bas. Ok, non, ça va, là, pour le moment. Ok, bien exécuté, la petite mongrale classique. Dommage, c'était pas son escalier. Je pense qu'il voulait faire la technique escalier jaune. Ok, pas mal. Il a su bien se recentrer sur le joueur. Petite pyramide, nice. Il est assez polyvalent sur les techniques, c'est ça qu'on veut. Il nous montre plusieurs techniques, c'est cool. Ok, nice. Propre. Non, franchement, très très propre. Alors, je pense pas que tu auras 10 sur 10, mais ce qui est sûr, je pense que c'est que tu auras 5 sur 5 au niveau des techniques. Pourquoi? Parce que tu nous as montré plusieurs techniques dans ces 43 secondes, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc, du coup, je te mettrai 5 sur 5 au niveau de la technique, ça c'est sûr et certain. Plutôt 2,5, pardon, 2,5 sur 2,5. Pour ce qui est de l'aim, ça va. Je pense que tu pourrais un petit peu t'améliorer.
Alors dans le sens où je dis que tu pourrais t'améliorer, c'est retrouver plus facilement ton adversaire. Tu sais, à un moment, on t'a vu que t'as mis une grosse balle, mais genre t'as attendu très longtemps de bien le viser, etc. Peut-être que tu pourrais améliorer le fait de plus rapidement mieux viser ton adversaire pour pouvoir lui mettre une balle avant qu'il te mette la balle. Et pour ce qui est de la rapidité, je pense que tu peux clairement t'améliorer sur la rapidité. Pour ce qui est de la vision de jeu, c'était plutôt bien. Enfin bref, pour ce que tu nous as proposé là, en tant que joueur manager, je te mets à bon 8 sur 10. GG à toi, frérot. Ok, donc du coup, on est parti avec un joueur Xbox clavier souris. Alors, il se nomme Warco. Et pour le moment, en tant que Xbox... Alors, je sais pas s'il y a de la latence sur Xbox comme sur PS4 au niveau du clavier souris. Mais je sais qu'il y en a énormément de la latence sur clavier souris PS4. Mais si c'est le cas, il maîtrise bien la latence. Et en plus de ça, ouais, non, c'est très propre ce qu'il peut faire. Si jamais il y a de la latence comme sur PS4, c'est super propre. Bon, c'est dommage, ce genre d'effet, évite s'il te plaît. Bon, tu sais pas pour ça que tu seras puni sur ta note, hein. Ok, ça va. Alors, à faire gaffe, ce genre de choses, parfois c'est bien d'édite, mais si jamais tu vois que ton adversaire est sur ton escalier, il faut surtout pas édite parce qu'il va tirer avant toi, il peut te mettre à moins de 100. Juste, en fait, avant toi, tout simplement. Mais quand il est derrière, voilà, petit édite comme ça, et c'est. So bueno. Magnifique, petite édite et grosse balle de pompe. On va terminer sur ce clip. Ok, petite mongrale enchaînée d'une édite escalier, très 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 propre. Gros GG à toi en tout cas pour ce que j'ai pu voir. Surtout que je crois qu'il y a de la latence sur Xbox au niveau du clavier souris. Mais de ce que j'ai pu voir, je te mets à bon 8,5 sur 10. GG à toi, frérot. Et on va terminer avec Silver qui est un joueur clavier souris PC. C'est parti. Ok, pas mal, c'était super propre, ce petit clip était pas mal du tout. Ok, nice. D'ailleurs, si jamais il y a pas mal de monde qui me pose la question, comment faire pour avoir 10 sur 10, je vous conseille d'aller voir l'épisode 3 ou 4, l'épisode 3, où j'ai mis plusieurs 10 sur 10 et vous allez comprendre ce que c'est, comment avoir 10 sur 10. Vous allez voir le niveau des joueurs auxquels j'ai mis 10 sur 10. Ok, nice. Propre, hein, en tout cas, de ce qu'il nous propose, c'est cool. Petite double edit. Tu peux être plus rapide sur ta double edit. Mais sinon, à côté de ça, tes autres edits classiques. Ok, oh, nice, nice, nice. C'était propre. Le shoot aussi, il a l'air vraiment, vraiment pas mal. Bon, je dis ça. Oh là là, je dis ça et en même temps, ça part un petit peu en vrille, le shoot. Mais bon, tant pis. Ok, il a su anticiper le cône, donc c'était propre. What? Comment il a tiré ici? Attendez, quoi? Regardez. Quoi? Attends, il a pas fait exprès. C'est pas possible, il a pas fait exprès. Mais... Attends. Ok. Ok, bah si jamais vous avez une explication à ça, bah je veux bien savoir. Je veux bien savoir, laissez-moi, là je... Je comprends pas. Ok, bon bah, GG à toi en tout cas. C'était très beau, voilà, GG à toi. Et on va terminer sur ce petit clip, sur un petit moins de 100, reverse ramp, moins de 100. GG à toi frérot, en tout cas, bon, de ce que j'ai pu voir, tu peux améliorer un petit peu ton shoot, même si y a quelque chose d'incroyable, enfin le meilleur flic que j'ai jamais vu, clairement. Rien à dire dessus, je sais même pas, genre même moi j'aurais même pas réussi à tuer un mec comme ça. On le voit même pas sur ton écran et t'arrives à le tuer. GG à toi en tout cas. Pour ce qui est des techniques, etc. Alors des techniques, je pense t'aurais dû en mettre un peu plus. Mais par contre pour ce qui est de la rapidité, je pense que tu peux clairement l'améliorer. Parce que j'ai déjà vu des gens qui sont beaucoup plus rapides en tout cas. Gros GG quand même à toi, c'était très très propre. Mais pour ce que tu nous as proposé, je te mets 7,5 sur 10. Et ça vient surtout du manque de rapidité au niveau de tes edits. Ok, donc du coup les gars, c'est terminé pour cette vidéo. Pensez à réaliser le jeu note vos highlights. Alors j'en ai pas parlé hein, du hashtag, mais c'est le hashtag highlight pikis. Alors highlight sans S, très important. De toute façon il s'affichera au début de la vidéo si je l'ai pas mis, et juste ici. Pensez également à liker et à commenter si vous voulez d'autres épisodes de jeu note vos box fights. Et n'hésitez pas à liker ou à commenter par rapport au fait si jamais vous êtes hype
de Je note vos highlights. Merci de vous avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.